Voilà, bonjour les amis de la Vapeur Vive, je vous présente ma BR89 de chez Marklin, qui est modifiée. Écoutez la sonorisation de la chose. C'est une Vapeur Vive. Équipé d'un chauffeur aussi. Écoutez la sonorité. Équipé de feux rouges. Équipement maison. Décoration de la chaudière. Avec une pompe, une génératrice, une cloche, des barres de maintien sur la chaudière, des feux avant. La voilà au loin. Je me déplace. Voici une grue qui est à vendre sur deuxième main. Donc échelle Marklin 1, la 32e pour les néophytes. Et on entend bien le chauffeur. Voilà, une petite pointe de vitesse à mi-vitesse, hein, donc c'est déjà irréaliste. Je vais réduire un tout petit peu le gaz. Il va un peu fort. On va lui ajouter quelques wagons pour qu'elle soit en charge, et on va écouter de ce fait-là un peu mieux le chauffeur. Il faut savoir que pour cela, je vais me déplacer dans le décor. Voilà ma gare. La Marklin passe là-bas à l'arrière-plan. Mes transports de grumes. Excusez-moi parce que je dois me déplacer. Voilà, on va mettre quelques wagons additionnels. Voilà, à nouveau. Bon, je suis pas un pro du film, hein, enfin bon, on fait ce qu'on peut. C'est froid dans mon local. Alors de ce fait là, on voit bien la fumée et la montagne ici, qui nous cache un peu la voiture, la moto. Et tout ce qui se trouve sur le réseau est caché. Ben, la moto, je vais vous la montrer.
Elle est là. Comme puis dernière couche de peinture d'ailleurs. Voilà, on va refaire une petite démo. On entend bien le chauffeur. Alors, un petit arrêt. Parce que j'ai dû changer de main. Alors, je filme, je tiens la télécommande, je mets la accessoire. C'est pas évident. Alors ici maintenant, je file la machine. On entend bien le chauffeur. On a fait une petite panne de vitesse, je répète, c'est pas beau. Mais c'est parce que j'essaye de faire les deux en même temps et c'est pas évident. Une vue sur ma gare en G. Là, c'est de l'échelle G. Moi, je roule avec tout ce qui est 45 mm, il me manque que le tiers. Voilà. Eh bien, on va vous laisser sur ces quelques images de vapeur vive à l'échelle 1. Oui, je signale que le chauffeur est de fabrication maison. Hein. On voit bien ici en gros plan les barres de maintien additionnées par rapport à la machine d'origine. Il y a un plan aussi sur les feux. Voilà, au revoir les amis.